Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs, à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Donc, on va faire un peu d'histoire, un rappel historique de parce que Sénégal, fin de juillet, face au Madagascar, le 23 mars, ça sera au Stade Ladio de Thiès. Donc, ça aussi, c'est un événement parce que Thiès va entrer dans l'histoire du football sénégalais. Parce que, pourquoi? Parce que match juillet, match international, généralement, Dakar, mais il y a des villes qui ont accueilli les matchs du Sénégal. Donc, autre que Dakar, c'est Kaolack en 1976 et Ziensor en 1995. Et la ville de Thiès va accueillir pour la première fois l'équipe nationale de football qui accueille ou bien qui va recevoir au Stade Ladior l'équipe de Madagascar pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ça sera le 23 mars prochain. Un match officiel qui sera suivi d'une rencontre amicale face au Mali le 26, donc au Stade Ladior. Donc là, depuis les indépendances, seul les Kaolokois, ou Kaolack en 1975, Agua Jigensor en 1995, ont un privilège, donc 7 ans, Lyon du Sénégal, donc dans leur territoire, parce que Sénégal, match officiel, ils ont joué, Dakar l'a joué, mais Kaolack en 1976, Jigensor en 1995, ils ont abrité les matchs de l'équipe nationale du Sénégal, et Thiès va devenir la troisième ville du Sénégal à abriter les matchs internationaux de l'équipe nationale du Sénégal hors de Dakar. Donc l'équipe nationale du Sénégal, ñaar match le jeu 1976 face au Maroc, battu 2-1, mais aussi la deuxième fois, c'était en 1995 à Ziensor lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 1996. Donc Lyon a joué contre Tunisie, les Aigles de Carthage, nous nul 0 but partout. Donc ça, c'est un rappel historique intéressant et important parce que Dembou, dañ ko wara xam histoire. Donc sur l'histoire de notre Sénégal, l'histoire des Lions du Sénégal. Donc Thiès va abriter pour la troisième fois un match officiel des Lions du Sénégal après Kaolack en 1976 et Ziensor en 1995. Parce que match c'est généralement Dakar la M. Mais en 1976, joué en Kaolack, 1995, Gaye Ndiaye joué en donc Folletje Ziensor. Et cette fois-ci en 2019, Thiès sera la troisième ville du Sénégal, autre que Dakar, à abriter un match de l'équipe nationale du Sénégal. Officiel, Domo Gaye Ndiaye, Warul Tite, Warul Ragal.